Ceci n'est pas un test. Allô, patron? Voilà, Robert. Tu vas bien? Ouais, ça va aller, toi? Ouais, ça va, je suis au tatouillage avec Marina. Ok. Vous avez pour le tas? T'as dit quoi? Vous en avez pour le tas? Bah, j'espère pas, tu sais, Marina, dès qu'elle commence quelque chose, mais non. Non, 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 on n'a pas pour longtemps. Tu commences à me parler poliment. Est-ce que tu savais que tous les tatouages c'était un langage ou pas du tout? Bah. Ça a une signification, si. Oui, mais aussi dans le milieu criminel aux États-Unis, comme dans d'autres pays, latinos, etc. C'est un langage, mon amour. Et alors, si j'aime le tatouage, je me le mets, qu'est-ce qu'il y a? Bah, en gros, si t'as un tatouage et par exemple il représente un groupe, tu peux te faire enlever un coup de couteau si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Oh, c'est vrai? Si. Il faut que je demande alors au tatoueur. Hein. Ouais, moi je serais toi, je demanderais des conseils au tatoueur. Tu crois celui que j'ai, elle est. Franchement, non. Non. Franchement, j'ai non. Peur. Non, 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 mais par exemple, je sais pas, mais tu vois, celui que le patron est là, je serais toi, je ferais pas les mêmes que lui. Mais c'est pas les mêmes du tout. Non mais c'est un exemple. Si. Comme par exemple, c'est pas si t'as vu le monsieur, il avait une araignée après. Sous l'œil gauche. Après, je suis désolée, mais si je suis croyante et que je veux me faire une croix, j'ai le droit, hein. Si. Non mais je te dis, mon amour, je te dis juste. Ah pas... si, mais moi ça me révolte. Mais bordel, mais j'ai le droit. J'ai le droit. Coucou, Baitrin. Vous allez bien? Bien et toi? Hola. Voilà, Marina. Patron, je voulais savoir, est-ce que j'aurais le droit de mettre ma moto en exposition si je mets une petite rampe et puis je la mets sur là-bas, ça vous va? Oui, oui, tu peux, oui. Petit. Bon gosse. Bon gosse, si, aïe, si. Aïe. J'ai bien tenu, bien joué. Ah, merci. En plus, en ville, on en remarque bien. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Par contre, patron, peut-être, je suis pas sûr, hein, je suis pas professionnel. Vas-y, 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 dis-moi. J'ai peut-être une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vas-y. J'ai parlé avec un client qui est passé il y a pas longtemps. Il a acheté une voiture, il s'appelait Pepito Sanchez. Et il avait l'air dépité, il me disait qu'il avait perdu son fils. Et... Comment c'est qu'il a perdu son fils? Bah, je sais pas, il me disait ça, il avait perdu son fils, il était en train de pleurer et tout, puis bah... Moi, tu vois, c'est qu'il faut que je vende des bagnoles, mais tu vois, je suis humain quand même, donc... Ok, merci. Bon, eh ben ça c'est fait. Hein? Elle est lourde. Patron, vous mangez pas que de la salade, hein? Non, si tu peux laisser là, laisse-t-il du whisky. De toute façon, c'est une plante, le whisky. Mais ça va pas, patron, en ce moment? Je vais t'apprendre que j'ai perdu deux cousins. Donc c'était espiace que ce point-ci? Si. Pardon, patron, je sais, c'est triste. Nous aussi, on était tristes et on le connaissait pas beaucoup, alors on okay. S'imagine. C'est ton cours d'élange, patron. Je vais fixer ce que je vais faire. Comment ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Faut que tu penses à tes cousins. Patron, je suis déjà passé dans... J'ai déjà connu la même souci que toi, mais c'est pas exactement pareil. Moi, c'était mon père. Et... Je peux pas comprendre. J'ai dit, moi, mon père, à un an, j'ai déjà perdu. Ouais, je sais bien, mais ce que je veux te dire, c'est que... C'est malheureux, mais pour tes cousins, pour leur mémoire, tu dois être fort. Et tu dois montrer que t'es, okay. Que t'es toujours alors, là. Tu vois, je vais te faire comprendre tout de suite. Okay. Tu gardes ça pour toi. Sinon, je te descends. Attends, je te dis c'est quoi, j'enlève ma GoPro sur mon torse. A few moments later. De toute façon, je le sens, même si je te connais pas, c'est comme un 69e sens, c'est moi, je sens quand quelqu'un il est humain. Et toi, je sens que t'es quelqu'un qui a un grand cœur. Mais un cœur avec des piquants dessus, c'est-à-dire que si on sait bien s'y prendre avec, et si on te respecte bien, il n'y a pas de problème. Par contre, si on te fait chier, ça va chier des bulles et pas que des bulles. Allez, viens, viens, pas de tige que tu dis. T'inquiète pas, frérot, compte sur moi. Tu vois, vous avez toujours besoin de sous, non? Mais pourquoi? Pour votre mariage.
Je sais pas si ma femme se dit. Pena pas besoin de sous. Bien sûr, j'ai besoin de toi, Robert. Pour n'importe quel truc. Tu serais par toi ou non? Si ma femme me l'autorise. Bah si. Bah oui, Agnès. Ça, je te le dis. Je te l'ai toujours dit. En faisant n'importe quel truc, ta vie pourrait être en danger. Ok. Tu pourras avoir des soucis avec la police. Ouais, je me doute bien. Gangster! Allez, j'ai mon collègue actuellement prisonnier à droite, là. Qui est de nationalité française. Oui. Et du coup, depuis, je me suis mis à regarder un peu les infos en France. Et j'ai vu un truc sympa qui s'appelle chez eux le Tour de France. Ah, grande course cycliste, ça. Si, si. Et du coup, étant gérant du motosport, du coup, on vend aussi des vélos. Mmh. Et du coup, on avait pensé faire un événement de l'honneur qui serait du même principe que le Tour de France. D'accord, ok. Sauf que ceci, du coup, demanderait la présence de plusieurs services. Oui. Qui sont, du coup, les shérifs, les médecins, ainsi qu'une équipe de mécaniciens. D'accord, ok. Et après, j'ai déjà vu, y a, avec un gérant de supérette, pour fournir tout ce qui est boisson énergisante pour les coureurs. D'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. Du coup, moi j'avais besoin de quelques informations supplémentaires pour tout ça. Alors l'idée, je vous avoue que moi je la soutiens à 100%. Mais c'est super ça! Par contre, si vous, s'il y a un danger, vous me faites stop! C'est promis. Oui, stop! Non, c'est un stop, laisse-le voir. Bah c'est un stop, faut s'arrêter. Ah si, stop. C'est vrai. Feu rouge! Stop! C'est moi qui ai plus mal aux yeux. Hein. D'accord. C'est toi, t'as plus mal aux yeux, hein. Tu ris les feux rouges. Ah, si. Sur un peu daltonien. Mais oui, c'est clair. Leroy, si tu te présentes comme Diego, c'est moi le patron. C'est ton patron, ouais, j'ai déjà vu. J'ai déjà discuté avec lui. Vous allez bien? Ça va et vous? Robert. Oui, ça fait. La dernière fois, il m'avait vu en canne. Ah, c'est dit, toi. Oui, ah bah salut tout le monde. Ça va, oh putain. Ah oui, Robert. Ouais, Robert, ça va quoi? Oui, ça va et vous? Ouais, ah, tranquille, non, ça fait plaisir de te voir. Mais je vous présente mon patron. Ça va, Marina, quoi? Ça va, alléluia. Oh monsieur, Robert, c'est le meilleur. Ça fait beaucoup là, non? Non. Tiens. Salut les connards. C'est les connards. Je sais, je suis un acculé, je sais, moi aussi je vous aime. C'est vraiment beau, hein. Ça brille et tout. Ah bah, oui, hein. Bonjour, señorita. C'est les pieds? Oui, tu es venu accompagner aujourd'hui. Oh, le tracker. Non, non, vous inquiétez pas, c'est pas ma copine. Ah non, ce n'est pas mon copain non plus. Ah non, on n'est pas à trois non plus. Elle est curieuse, la dame, quand même. Ah si, hein. Oh, t'as dit pas mal, non. Après, si elle pose autant de questions, c'est qu'elle est intéressée. Comment ça, l'autre, il est plus beau? Non, je suis plus beau que lui, ou... Il est con. Il a pas un air de français, il est français, ce connard. Oh, putain. Mais les Espagnols, c'est plus joli. C'est pas gentil. Oh, putain. Eh, hey, madame, c'est mon mari, le français. Alors, vous touchez pas et vous... Gardez l'œil sur l'espagnol qui est en face de vous. Il est beau, il est canon, il est patron. Ok? Touche pas à mon mari. Merci beaucoup. C'est mon ouais, ouais, moi je suis patron. Ok? Hein? Hein? Non, voilà. Mais... Jaloux, je suis pas jaloux, je suis jalouse. On va retourner dans le sud. Ok. Parce qu'on vide le coffre pour l'emmener tout à la Pacifique, ce qu'on a fait la semaine. Ok. Du coup, on va préparer un véhicule. Et il y a deux autres véhicules qui vont venir nous escorter. Allez, on y va! Kika peut mettre quand même le point à la Pacifique, ok? Mon équipe. Évidemment, devant, celui qui gère le point, moi, si je. Ah, si, je peux le faire. C'est fait. Si. Il y a une voiture qui nous suit. T'es belle.
Il est pas là. La voiture de derrière, surveille bien derrière toi. Tu concentres-toi! Eh oui, si gros moi, signorita. Il a dit j'ai plaisir, je. Et vous mettez bien ça dans le coffre. Mon amour, on arrive dans 4 km. Le patron il a fait réparer la voiture. Et en plus, il l'a fait peindre. Et en plus, il a mis des enduits. Il a mis pas laisser la surprise. Oh. Pour la rassurer. On arrive, mon amour, à tout de suite. Terminé. Du coup, pour la peine, tu dis qu'on se fait tirer dessus. Voilà. Bébé, on se fait tirer dessus. Vous faites tirer tout? Si. Elle va s'inquiéter, parce que. Appelez la police. Oui, si. Mais appelez la policière. Si. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est une blague que le patron a voulu faire. Ça, ça, la merde pour toi, hein? Annie, c'est pas c'est moi. Voilà. Oui, patron, c'est moi qui ai pris. Quel droit, c'est toi. C'est vrai? Si. Ah, oh, je vais me faire plaisir. Ah, mon amour, c'était voilà, un... c'est bon, merci patron. Mon amour, c'était un test comme toi. Quand tu me dis que la fille elle est bonne, je dis non, vous n'êtes pas venu me faire défoncer. Eh, oh, vous m'avez fait une blague pas drôle, je me sens inquiétée pour vous deux. Et pas que pour mon mari, pour toi aussi, hein. Qu'est-ce qu'il cherche à trouver. On s'est bagarré. Mais vraiment, bagarré fort. Mais c'est parti de rien, hein. C'est parti d'un petit truc à la con, comme ça, hein. Comme ça, c'est parti de ça. Oh, parlons, mon amour. Oh. Non. C'est beau, oui. Merci, bon, patron. Voilà pourquoi on s'est bagarré. Il m'a tapé. C'est honteux. C'est beau, Marina. Excusez. Merci. Attends. Allô? Allô? Comment on fait? Bonne nuit, Robert. Si. Mon amour, c'est un appel bizarre. Salut, mon pote.